pourquoi ah bah oui. Allez, salut. On se retrouve pour la suite de Sanitarium. Alors je vais vous avouer que j'ai pas vraiment le moral, hein. Enfin j'ai pas vraiment le moral, je suis pas non plus déprimé, mais voilà, enfin tout le monde est au courant de ce qui s'est passé hier, donc forcément. Je ne suis pas. Voilà, on est tous un peu sous le choc, donc bon, j'ai pas vraiment envie d'en parler plus que ça. Je vais essayer de jouer, j'ai vraiment, j'ai pas vraiment envie, hein. Tiendrait qu'à moi, j'ai. Je pourrais arrêter ou enfin même pas faire le live, mais bon, vu que je pars demain à Limoges, et puis je sais pas quand c'est que je vais revenir pour streamer ou quoi, donc faut absolument que je finisse ce jeu-là, sinon ça va traîner encore. Donc voilà, je vais me forcer un peu, donc on va finir le jeu, même si je suis bloqué, on va regarder les solutions, en fait, tout ça. Donc salut Mouktouk, comment vas-tu? Comment allez-vous tous en ce samedi 14? Alors par contre, alors du coup, ouais, on avait. Une urne, des allumettes. On a trouvé des allumettes, une Il me urne manque les et un isolant. cigarettes. D'accord. Et là, là on avait démonté un truc, alors on sait pas pourquoi, mais on l'a fait, on a démonté ça. Les portes sont bien bloquées. Et... Ouais, mais là j'avais pas trouvé de solution là. Ah, ça ne va pas. Une urne en cuivre. Peut-être qu'avec l'urne il faut ramasser ce cas-là, non? J'aimerais que ça va rien résoudre. Ça me sert. C'est. Peut-être qu'il y a quelque chose à ramasser, j'en sais rien. Voyons voir. Voilà, la lumière, il y a peut-être un truc Et là. maintenant? Non. Pose le Buste? buste ici. Non, c'est pas bien. Non, il se passe rien. Un peu morose, je doute bien, mais ça va aller. Il va falloir quand même. Ouais, écoute, pareil. Hein. Si vous ça quoi. On disait qu'il faisait chaud et le tuyau que tu as serré avait l'air d'être relié à la chaudière. Sais-tu quel est ton objectif dans la finalité? Bah de savoir qu'est-ce qu'on foutait dans cet asile, enfin qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, qui on est, pourquoi qu'on est. Enfin pourquoi il se passe tout ça quoi en fait. En fait en gros nous on est aussi confus que le personnage en fait. Peut-être ça. Des allumettes. Allez, allez! Là je peux pas y aller par là, c'est bizarre, il y a un bâtiment là. Bon franchement je sais pas, on va regarder une solution parce que j'ai pas envie de chercher des heures. Le jeu est ramage. À quoi avec quoi tu joues toi? Alors, il joue avec un truc copie, je sais pas avec quoi il joue, j'espère que c'est pas grave. Alors jeu PC Sanitarium Solus, paf. D'un point de vue plus près, en fait, sais-tu pourquoi tu es ici? Est-ce qu'on a. Ouais, non, on n'en sait rien du tout, forcément. On ne sait vraiment rien du tout. Alors. En examinant le mur. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Tiens, c'est bizarre. En remarque. Attends. En examinant le mur en face, vous remarquez qu'il est. Lancez le buste plusieurs fois sur le mur pour créer une ouverture. Bon. Je vais mettre la soluce là. Ça je vois. En jouant. Alors apparemment il y a un mur qui serait détruisable. Pendillé. Faut le détruire avec le buste. Ça va rien résoudre. Ça va rien résoudre. Ça ferait mal. Un mur fort, mais avance. Un mur fort. Ça me sert à rien ici. Mais du crack sur la solution, quoi. Ah non. Ici, c'est ça? Ah d'accord. Une urne en Franchement, cuivre. on peut les trouver quoi, mais. Ce mur est bien abîmé. Ouais.
Dès que j'ai ramassé. Hein. Union des allumettes. Ah, buste. C'était le buste, ah, putain, c'était mal fait. Hein. Oui. Oui. Je sens un gaz. Il doit y avoir une fuite pas loin. Oui. Une valve. Un joint de tuyau en U. Joint de tuyau en U, ok. Bon, je vois plus ou moins ce qu'il faut faire, ça me paraît évident. À vous aussi, je suppose, quand même. Hop. Bon, on a fait ça, mais je suppose que là, il se passe plus rien. Ça. On va réactiver la valve. Quoique, c'est déjà activé. Ah, là, on a arrêté. Okay. Comment faire démarrer cette horrible chose? Comment ça va, Boulings? Cela devrait dégivrer tous les meubles. J'espère que vous revenir bientôt. Mais ça marche, pas. Des bisous. Bon courage, bon week-end. D'accord. Je sais pas pourquoi ça sort, ça. Merde. On va le brûler. Très bien. L'étiquette sur ce corps dit 2. L'étiquette de celui-là dit 9. Ça a rien à voir avec ça, j'en veux pas comme... Ah. Y'a pas un petit secret? Qu'est-ce qui se passe? Y'a de la cendre là, donc faut récupérer. Pourquoi je récupère, j'en sais rien. Non mais, voilà. Ça marche plus. Oh, quelqu'un, aidez-moi. Je... Comment y arriver? Ah, il fait... Il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un, aidez-moi. Je suis pas mort. Au secours. Trop loin. Quelqu'un, aidez-moi. Ce tiroir est vide. Hein? Comment y arriver? Je suis pas mort. Au secours. Quelqu'un, aidez-moi. Ce tiroir est vide. Je suis pas mort. On peut vérifier les tiroirs. Je suis pas mort. Au secours. Quelqu'un, aidez-moi. Je suis pas mort. Quelqu'un bouge là-dedans. Oh mon Dieu, il fait froid. Un vieillard. Il est froid. Qui es-tu? Mon nom, c'est Arthur Patrick, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans le tiroir? La dernière chose dont je me souviens, c'est que je faisais une petite sieste dans la cour et puis ils m'ont traîné vers un étrange laboratoire. Sur le toit? Possible. J'en suis pas sûr. Il pleuvait. Ça sentait le sang. Le docteur Morgan était là. Il m'a regardé. Il m'a dit que j'étais trop vieux pour ce qu'il voulait. Je me souviens qu'il tenait une tête humaine. Et après, je crois que je me suis évanoui. Il devait me croire mort. Et puis, me voilà dans ce tiroir, et mort de trouille.
Être dans ce tiroir, ça foutrait la trouille à tout le monde. Oh, ça c'est vrai. Enfermé dans le noir, dans ce froid terrible, et ces grattements horribles. Il fait un peu froid là-dedans, n'est-ce pas? Froid? Je me suis quasi gelé le cul, oui. J'allais m'endormir. J'ai dû somnoler jusqu'à ce que tu arrives. Tu as mis le chauffage? Oui. Alors il fait bon maintenant. Merci, fiston. Des grattements? Qu'est-ce que c'était au juste? Je peux pas dire. Je me rappelle juste ces crissements et ces bruits de raclure à côté. À côté, dehors? C'est désorientant, tu sais. C'était assourdi. Mais je pense que ça venait d'un autre tiroir. Morgane? Il tenait une tête? Je le jure, sur une pile de Bible, je l'ai vu. Ses bras étaient rouges de sang et il balançait cette tête pendant qu'il parlait, en faisant des gestes, tu vois. Et il engueulait sérieusement les deux garçons de salle. Patience était échappée, je crois. Je ne sais rien d'autre parce que je me suis évanoui à ce moment-là. Très bien. Oh mon Dieu, il fait froid. Alors... Il fait froid. Alors apparemment, il y a un tiroir qui contient quelque chose. Ce tiroir est vide. Salut Nico, Nico, ça va? Vide. Un instant. Il y a des égratignures partout à l'intérieur. Il fait sombre ici. Je ne vois pas bien ce que ces dessins veulent dire. Des allumettes. Ces dessins ne semblent pas arbitraires. Quelqu'un voulait-il dire quelque chose? Oula, on a le droit à une petite phase d'énigme, on fait aller. Et maintenant? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il vous fait? Utilisez l'œil de verre pour lire le texte. L'œil de verre? Où ça? Ouvrez la porte du four et mettez le cadavre numéro 7 dedans. Attendez un peu et rouvrez la porte. Le cadavre doit être en cendre. Récupérez son œil de verre. Ah, mais j'ai oublié un œil de verre. Ah oui, effectivement. Oh, j'espère que c'est pas quelqu'un que je connais. Un œil de verre. Pauvre vieux, ça lui manquera pas. Oh mon Dieu, il fait froid. Ouais, bah la chaudière, c'est juste à côté, là, où il restait là. Il fait sombre ici. Oh. Et sombre, des allumettes. Je vais pouvoir utiliser. Ces dessins ne semblent pas arbitraires. Quelqu'un voulait-il dire quelque chose? Comment je fais pour utiliser l'œil de verre aussi? Et maintenant, une urne en cuir, un œil de ça. Oula. Un homme, un beau jour, un arbre planta, il parlait avec... envers respectueux, rien dire, peu avant sa mort, il me fit état des vers, mais attends, vers, d'accord,
Vers VERS, c'est vers vers de terre. Hein. Approche doucement. Attendez. À l'arbre. Ah non, attendez. Et à l'arbre. Hein. Respectueux. Approche doucement. Ouais. Et chuchote ces mots. Arbre, tu m'entends, éloigne tes oiseaux. Il y a un truc là, non? Ah, non. Bon, c'était une expérience. C'est vrai qu'elle est sympa quand même. Il fait froid. C'est la voix de notre personnage, c'est la voix de Tomex encore. Il fait la voix du vieillard. Vous parlez à un arbre. C'est lui, hein. Parle-moi, arbre, de crainte que tes yeux se nichent d'oiseaux. Pourquoi m'avoir appelé étranger? En général, c'est l'homme à l'œil de verre qui récite les commandements. J'ai bien peur qu'il soit mort, mais il a laissé oui, ce message crypté reste, qui m'a conduit jusqu'à vous. Très bien. Qu'est-ce que tu cherches? Qui es-tu? Je m'appelle Malus Ioensis. Je suis le gardien de la lumière, protecteur du bosquet. C'est aussi la même doubleur pour l'arbre, ah ouais? Tu l'as reconnu comme ça ou tu l'as regardé sur le net? Comment gardes-tu la lumière? Elle est tout autour de nous. Idiot, la lumière, elle se trouve dans le cœur des anciens, puissants guerriers. Eux seuls comprennent le vrai sens du sacrifice. Je ne comprends pas. Quel sacrifice? Liberté, mouvement et croissance. Mes membres ne demandent qu'à s'étirer vers la lumière nourrissante du soleil. Mais je dois rester ferme, de peur de perdre ma place dans ce bosquet. Je suis celui reconnu, la vache. Qui doit demeurer en place. Chapeau, hein, Nico. Pourquoi le bosquet doit-il être protégé? Avidité, orgueil, méchanceté. Ces aspects de l'humanité qui menacent toute vie. Je demeure et personne ne passe. Sauf un... Des bisous, Mouk. Qui? Le créateur. Le créateur? Oui. Seul son nom me ferait bouger de ma place. Très bien. Un œil de veste. Ça va, on va pas y arriver. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'on fait. Alors la cendre. Une urne en cuivre remplie de cendre. Ah si, je m'en souviens. Pourquoi faire? On a vu une inscription qui était. On n'arrivait pas à voir. Je crois que c'était ça. Difficile à lire. N'y a-t-il pas un voilà, lieu... c'est ça. Je pense que en mettant ça, on va voir ce qui est écrit. Voilà. Paul Stark. Les cendres révèlent de vagues lignes. Un nom, Paul Stark, jardinier de l'asile. Ah, et est-ce qu'on peut faire autre chose? Un œil de verre. Allez, allez! Ça marche pas, les allumettes peut-être? Des allumettes. Allez, allez! Je sais pas trop ce qu'il faut faire, donc je regarde la solution. Je l'ai dit, hein, je. Et qu'est-ce qui branle lui là? Qu'est-ce que t'as là? Tu fais avec quoi il joue? Avec des yeux, discuter avec lui, il vous laissera passer. Bon. Ah d'accord. Non, bah, en fait, j'ai fait les trucs dans le désordre, en fait, sans le vouloir. En fait, avec le nom qu'on a eu, on doit faire aller voir l'arbre, en fait. Salut, Julien. On doit aller, voilà, on doit lui reparler.
Au nom de ton créateur, Paul Stark, je t'ordonne de te mettre de côté. Paul Stark, le créateur, celui qui a planté mes graines et m'a donné la vie. En son nom, j'obéis au commandement. Drôle d'endroit pour une chose comme ça. Un cœur en cristal. Étrange et magnifique prisme. Il focalise la lumière qui passe à travers. D'accord. Étrange. Pas par là. Ma gueule ou quoi ? Oui, la lumière, ça ouvre la porte. Ah, Max, je ne sais pas comment tu m'as trouvé. Mais c'est trop tard. Je pars maintenant. Et je te laisse ici avec les autres morts. Va au diable, Morgane ! Une statue d'un guerrier aztèque. On dirait qu'elle est vivante. Salut, Squeak. Ça va ? En fait, est-ce qu'il y a Nightbot sur le chat ? Alors, normalement... Si je fais... C'est quoi ? C'est... Dire... Genre, si je fais ça, ça doit marcher. Donc, ça va pas marcher, ça va faire un gros fail. Hein. Vous allez voir. Ah si, ça marche. C'est bon. J'ai compris comment marche Nightbot pour la bière. Je suis content. Le secret pour activer l'appareil utilise 5 symboles distincts. Un téléphone. Quelle chance, coupé. Leur structure cosmique était simple. La Terre au-dessous, sous forme de montagnes jumelles. Le Soleil et les étoiles au-dessus. Par-dessus, un autre monde existe, au-delà de cette vie. À côté de ce passage est inscrit le numéro 1. La tête, là, c'est... Merci, mais pourquoi pas. Mais c'est pas grave, tu bois virtuellement. On dirait un calendrier aztèque. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a un dispositif dessus. Ce n'est pas un calendrier aztèque normal. Il bouge par endroits. Ouais, alors ça. Là, c'est pour aller de haut en bas. Pas ça alors du coup. Serais-je en... Serais-je genre ça et donc là il y aurait quoi? Il y a rien. Non, c'est pas possible. Ah quoi que. Là on était peut-être bon. Ah non, le soleil on l'a pas ce côté là. Oh là 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 là. Je sens mal hein. Non alors, de ce côté là on a soit l'espèce de pyramide. On a que ça. Donc c'est forcément ça. On n'a pas que ça. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait que ça? Mais si. Là deux fois. Pourquoi on a ça après?
Alors. Comme ça. Est-ce que là on a la suite ou pas? Ah, ok. Ça me paraît bon. Là, ça me paraît, ouais, quelques millimètres près, non, ça doit être ça. Salut Flacamo. Ouais, mais du coup, si on a rien, c'est pas normal ça. Ah, voilà. C'est pas bon. What the fuck? Mais pourquoi il se centre pas? Pour rien. Hein. Là, ça a planté. Ah, oula. C'est bon là? Le secret pour activer l'appareil utilise 5 symboles distincts. Eh ben, je vais les voir. Le secret pour activer. Bon, ok. Ce n'est pas un calendrier. On sait, c'est pas un calendrier normal, mais qu'est-ce qui va pas? Malik le gentil, ça va? Et c'est quoi le délire là? Non mais. Je me dis pas qu'un peu. Examiner les documents qui se trouvent sur le groupe, utiliser le calendrier aztèque pour ouvrir la porte et aller vers un autre endroit. Merci la solution de merde. Hein. Oui, coucou, Mike. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça va m'énerver, ça va m'énerver, ça va m'énerver. Pas envie de me casser la tête aujourd'hui, donc ça va être très simple. On va aller sur YouTube. YouTube. Sanitarium. Voilà, j'ai une espèce de paire de cul qui s'affiche là sur YouTube, je sais pas pourquoi. Sanitarium, chapitre 7, je crois, c'est une bêtise. Ah non, non, c'est le chapitre 8 alors. The Morgue and the Cemetery, part 1. Part 2. Je vais être là-dedans. Alors, comment qu'il se débrouille alors? Comment qu'il fait le. Empty. Wait a second. There are scratches all over the inside. It's dark in here. Mais 40 ans. Pourquoi ça charge là? Est-ce que. Eh non. Oh, oh là là, ça y est, ça m'énerve. Wrong. There's a device hooked up to it. This isn't a normal Aztec calendar. Some of the parts move. Yes. Allez, sérieux le bâtard, il a même pas montré comment il l'a fait. Genre, il a coupé l'énigme. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi à mettre sur pause au bon moment. Donc du coup, bah c'est bien ça. Ah non, pas vraiment. Je vais vous montrer ce que c'est en fait. Ah bah vous voyez. Bah c'est parfait en plus, vous voyez les deux. Regardez, au début c'est ça normalement. C'est montagne, soleil, levant. Osiris, Iris, pyramide. Voilà. Et moi en fait, alors la fin j'ai bon. La fin j'ai bon. L'avant-dernier j'ai bon. Le troisième j'ai bon aussi. Qu'est-ce qu'elle est pas alors? Bah je comprends pas. Bon c'est pas grave. Bah, ça va Flacamo, et toi comment ça va Flacamo? Alors bah, qu'est-ce qu'il me raconte?
que ça soit le soleil. D'accord, ok. Oh là, mais ça change tout. Hein. Oui. Oui. Oh là là, attention. Hop. Mince, j'ai quitté. Ah, on est le gros là. Incroyable. Fatigué, Flacabon. Ah. Oui. Ces gens m'ont appelé. J'ai entendu leur voix. Voilà la femme qui m'a appelé par sa magie. Femme, quel est ton rang? Par les grands esprits, te voilà. J'ai cru que ta venue n'était qu'une vision, mais tu es là. Olmec, le guerrier sacré. Olmec. Louons les dieux. Ils ont répondu à nos prières. Tais-toi, Commère. Quel est ton rang? Pardonne-moi. Je m'appelle Tétéo. Je suis l'oracle du village. L'oracle? Pourquoi viens-tu m'accueillir? Où est le chef du village? Il répare le village, grand homme. C'est le seul mal qui reste et qui nous protège de Quetzalcoatl. Pardonne-nous, car nous sommes les chevaliers de Baphomet et les bouquets de Quetzalcoatl, là. C'est trop ça. Et tout? Et t'es où? Oh, le mec. Et alors, ce village, pourquoi me convoquer? Alors. C'est Quetzalcoatl, saint homme. Il est de retour. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il siège aux cieux, sur son trône majestueux, pas dans ce triste tas de fumier qu'est ton village. Non, homme sacré! Il est vraiment de retour, comme le dit la prophétie du mur de tristesse. Regardez comment il est, lui, ça me fait trop rire. Genre, en fait, les jambes ne bougent pas, le cul ne bouge pas, il y a juste le torse et les... Oh! 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 Si tu dis vrai, il faut que je le voie. Où est-il? Debout, en haut de la montagne en colère, votre grandeur. Il se sert de sa magie pour libérer le sang de la terre qui nous tuera tous. Le temple du jaguar est toujours debout? Oui, il a résisté à l'inondation et à l'éboulement des rochers. Quetzalcoatl veut faire fondre chacune de ses pierres avec le sang de la montagne en colère, en détruisant ce qui reste du village. Votre comte parle des guerriers autonomie rasés. Où sont-ils? Quetzalcoatl les a abattus comme des enfants, et maintenant leurs ombres rôdent sur la terre, piégées par sa cruelle magie. Leurs ombres? Elles ne peuvent plus se battre sous ces nouvelles formes? Non, homme sans peur. Ce ne sont que des âmes perdues, piégées entre vie et mort. Leur impuissance face à leur ennemi les ont rendues folles. Elles hurlent leur folie de leur voix de fantôme. Oui. On comprend l'insanitarium, mais on va bientôt comprendre. On arrive à la fin. Donc là, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre. On peut supposer que le dernier chapitre sera peut-être moins what the fuck. Et on aura des réponses. Donc pour l'instant, on est tous perdus. Hein. On est d'accord. Le mec qui me dit qu'il comprend tout, c'est pas vrai. Ou alors c'est qu'il a déjà fait le jeu. Ce sont les feux sacrés. Son esprit demeure encore ici. Esprit, que dis-tu? Honte éternelle, mort vain. Pourquoi baisses-tu la tête de honte, brave esprit? Et pas pu battre un guerrier. Tout notre clan n'a pu arrêter
Un seul homme. Voilà, je finis parce qu'il met 40 ans à dire trois mots. Quel nom portais-tu dans ce monde, héros déchu ? Porteur de mort, fils de pute, enfin fils de Tezaki, pardon. Sorcier village, voilà. Sorcier ? Tu es le fils de Tezakaton ? Oui. Ça a gêné. Quel était ton rang de guerrier ? Vétéran. Nombreuses batailles, jeune frère de Mixqualt. Voilà, on est content. On a quelque chose sur nous ? On a rien. La drogue aurait été un dévaste pour toi, donc. Oh, une toupe ne se drogue pas. Tiens, le préciser. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là ? Ils ont honoré Quetzalcoatl avec cette statue, et ils les remercient par la destruction. On dirait nous. Voilà. Une vénérable femme. Plein de cadavres là. Vieille femme, que dis-tu ? Je vois que l'oracle a réussi à te faire venir. Pourtant, à ce point, je n'en vois pas l'utilité. Le mal est fait. Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là, vieille commère aigrie ? Je suis Olmec. Je me bats pour les dieux. Tu as l'air aussi zélé que mon mari. Le fou. Elle a tellement raison de la vie, je suis d'accord avec elle. Quel homme serait assez fou pour épouser ta langue acide, vieille ? Tezakatal, le sorcier, est mon mari. Il est le père de deux grands guerriers. Et maintenant, il court vers la mort. Entre-temps, je dois m'asseoir obéissante pendant qu'il jette sa vie dans une course folle. En fait, je suis patient quand j'en ai envie. En fait. Genre là, en fait, j'ai vraiment pas envie d'être patient aujourd'hui. De quelle course parles-tu ? Il prévoit de se battre contre ce bâtard de roi en utilisant sa magie. Il est condamné. Et mourra en vain. Où sont tes deux fils ? Ils sont morts dans la bataille ? Oui. Quetzalcoatl a fracassé leurs os comme si c'était de la paille. Bientôt, mon mari les rejoindra. Et je serai vraiment seule. Je trouve sa position un peu bizarre quand même, hein. C'est, je sais pas, on... il y a un problème d'anatomie, je sais rien. Tiens, la vieille bique qui te compare à son mari, je l'aurais foudroyé de sur place. T'as vu Clarinette, ça va ? Je trouve sa position, elle est trop bizarre, quoi. En fait, c'est une position qui est possible, mais je sais pas, il y a un problème. Comment c'est dessiné, j'en sais rien. Chelou, ça. Enfin bref. Qu'est-ce que tu mélanges ? Rien d'important, saint homme. Juste un baume pour mes os douloureux. La vieillesse n'a pas été bonne avec moi. Pas visiblement si, rien. Plutôt souple pour une mamie. Quelle destruction ! Il ne méritait sûrement pas ce sort. Un bol en cuivre vide. Il a dû servir à des sacrifices. Cet idole monte. Défaite. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Conan le barbare, là ? Cet ouvrier modeste est fort et fier. Oh. Toi, là-bas, quel est ton rang ? J'étais le maçon. Maintenant, je suis le chef du village. Et toi ? Pourquoi tu entres dans ce village ? Je suis Olmec, guerrier sacré. Tu oses me parler sur ce ton ? Oui, j'ose. Tu peux effrayer les autres, mais je ne te donnerai pas cette satisfaction. Où tu étais quand on avait tant besoin de toi ? Ta venue maintenant ne signifie plus rien. T'es en retard.
L'entretien, hein? J'ai raté beaucoup de choses. Je sais pas où est-ce que tu. C'était quoi que t'avais vu la dernière fois? Les jambes sont écartées et pliées. Position pour accueillir les trio piqueurs. Oh. Mais regardez, lui, il est bizarre aussi. Hein. Regardez son bras là. Où ça, il est. Je sais pas pourquoi il tient comme ça. C'est trop bizarre. Fini la ruche. Après, ouais, on va t'a loupé un chapitre. Mais le chapitre était assez rapide quand même. Genre, après, on s'est retrouvé dans une morgue, on s'est réveillé. Pareil, on sait toujours pas pourquoi, comme d'habitude. On s'est réveillé, on a brûlé un cadavre, on a récupéré ses cendres. On a utilisé les cendres sur une pierre tombale pour savoir quelle inscription qu'il y avait. Ensuite, on a regardé dans les tiroirs de la morgue, on a trouvé quelqu'un encore de vivant qui nous a parlé, machin, oh, je sais pas comment on s'est retrouvé là. Après on a regardé dans les tiroirs de la morgue, il y avait une inscription qui a été gravée. Du coup il fallait récupérer l'œil de verre quand on a brûlé le cadavre avant pour regarder ce que disait l'inscription. Donc en fait c'est un espèce de message pour parler à un arbre qui parle, hein. Vive la drogue. Et donc avec ça, tous ces éléments là qu'on a rassemblés, on a parlé à l'arbre et l'arbre nous a laissé passer et on s'est retrouvé d'un coup en mode aztèque, on sait pas pourquoi. Déchiffrer un poème gravé, une casse et résoudre une énigme et maintenant, voilà c'est ça, en gros voilà c'est ça, c'est un peu compliqué d'expliquer, de toute façon quand c'est un peu what the fuck. Tu dis que je suis en retard, mais tu as tort. Ah oui? Ma fille chérie est couchée, écrasée sous ces rochers. Le jour où Quetzalcoatl est arrivé, j'ai prié ton dieu de tout mon cœur. Et tu arrives maintenant? Tous les guerriers sont morts, les temples sont en ruine, ma fille est morte. Ça me saoule, je vois trop de gens qui jouent à Fallout 4, ça m'énerve, c'est incroyable. Je me supporte pas. Je supporte pas, j'adore ce... Enfin, j'aimerais bien jouer à ce jeu justement, mais putain, ça me saoule. Pas du Fallout 4 partout. Tu dis que ta fille est morte? Comment le sais-tu? Elle était dans sa hutte quand les rochers sont tombés. Regarde autour de toi. La mort est partout. J'ai perdu tout ce qui m'est cher. Tu dis que tu étais maçon? Oui, c'est mon métier. Comme mon père avant moi et son père avant lui. Je travaille la pierre en la formant à mon souhait. Je suis un simple artisan qui aujourd'hui dirige ce qui reste de ce village. Un lourd fardeau pour mes épaules fatiguées. Il y a des sorts pires que le tien. Je sais. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui s'opposent aux règles de Quetzalcoatl. Il y avait un roux dans sanitarium, on se souvient pas. Ah bon? Sa punition est rapide et sévère dans la mort, comme elle l'était dans la vie lorsqu'il gouvernait ce village. Oui, mais il était juste et sincère alors. Pas cette abomination qui est revenue pour nous détruire. Nous le vénérions lorsqu'il était de chair et d'os. Et à sa mort, nous avons élevé en monument une tombe à sa grandeur. J'ai moi-même ciselé les pierres et les joyaux qui l'ornent. C'est ça. Et vas-y, continue de trapper, là. Regardez-le. Mais non, mais... Non, je pense pas que ça soit, en fait, une modification corporelle voulue. Parce que, regardez, il a l'air d'être plutôt... Bon, non, il a l'air un peu attardé quand on le regarde comme ça, mais... Tapé. Mais regardez, quand on lui parle, c'est tellement drôle la position qu'il va tenir. C'est trop drôle. J'ai trop envie de jouer à Fallout 4 aussi. Ah bah au moins, ça va, je suis pas tout seul à être le seul con à ne pas y jouer. Je vais profiter de toutes mes thunes pour mes achats de Noël. Ah Noël, j'avais oublié ça. Noël, merde. Petite fille rousse, Sarah. Hein? L'air de prendre beaucoup de plaisir à taper sur ce truc en tout cas. Oui, c'est vrai. Les gens assez inquiets encore. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le chagrin d'une femme peut-il être aussi profond? Ah, au fait, j'ai trouvé ce qui est bizarre. Putain, c'est incroyable le son, comment il pète les oreilles. Mais c'est un peu...
Je baisse un peu le son. Là, vous entendez plus rien, c'est normal. J'ai mis à 15%. En fait, ce qui est bizarre, c'est que regardez leurs jambes. Vous avez... ouais, bah regardez, vous voyez là. Regardez bien ses jambes. En fait, on a l'impression qu'elle a pas de genoux. Genre, c'est comme les espèces de poupées. Vous savez, les poupées avec les jambes en fil de fer à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de genoux, c'est juste le fil de fer. Quand on les plie, ça fait ça. Bah, c'est... on dirait ça. Un espèce de truc en silicone là. Que dis-tu? Pourquoi pleures-tu? Oh, pardonne-moi, oh, enfin, de ne pas t'avoir montré le respect que je te dois. Oh, mais je suis brisée par le chagrin de la mort de mon mari. Il est mort en combattant Quetzalcoatl. Oui, c'est vrai, Mouktouk, t'as bien raison. C'est pas une impression, hein. Mais Sarah, ah ouais, Sarah, mais elle était pas rousse, elle était blonde, non? Qui était ton mari? Il s'appelait Tepiktok. Tu C'était sais que un c'est nom de guerrier, merde, mais et aussi le TikTok. meilleur pêcheur du village. Il vivait des cadeaux de la mer et vénérait la déesse de l'eau. Il aimait les murs frais du temple de l'eau et il y passait souvent des journées à méditer et à prier. Voilà pourquoi ça sert à rien d'être à fond dans la religion, vous perdez votre temps. J'ai vu que le temple de l'eau est inondé. Oui, par la volonté du mal. Quetzalcoatl a fait appel à une énorme vague pour le détruire, mais il se dresse encore fièrement dans l'eau. Eh bien. Si elle était rousse, c'est insupportable. Oh bah dis donc. Ça t'a marqué, Flacamo. Oh. Bon, elle, qu'est-ce qu'elle a? Écarter les jambes et Pourquoi bouger les cette bras. femme est-elle inquiète? Oh. Femme, que dis-tu? Mec, tu es venu vers nous. Remercions les dieux qui ont exaucé nos vœux. Vos prières me sont parvenues et je suis là. Quel est ton rang? Je suis la femme du chef. Pourquoi ton mari a-t-il été épargné par le courroux de Quetzalcoatl? Il priait dans le temple du jaguar lorsque le mal arriva. Quand les échos de la mort lui parvinrent, la bataille était terminée. Il sortit pour retrouver presque tout le village détruit. Étant le dernier homme du village, il devint chef d'après la tradition. Mais il ne peut combattre Quetzalcoatl et son humeur est sombre. Il se considère comme un lâche de n'avoir pas trouvé la mort dans la bataille comme les autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille? Au début, lorsqu'on a vu notre vénéré roi revenir de l'au-delà, nous étions heureux. On pensait qu'il était revenu pour nous conduire vers d'autres victoires. Mais il était revenu pour nous détruire. Bien que nos guerriers se soient férocement battus, Quetzalcoatl les a brisés comme des brindilles. Après les avoir tués, il a répandu sur nous son obscure magie. Quelle formule a-t-il employée? Il a fait s'abattre une vague massive sur le temple de l'eau. Il fit trembler la terre si violemment que la montagne se fendit et écrasa toutes nos maisons, enterrant le temple du vent. Seul le temple du jaguar résista à sa puissance. Tu parles de la tradition comme d'une chose indésirable. Ton mari devrait être honoré d'être le chef. C'est bien plus important que d'être un misérable maçon. Mais Olmec, homme sage, il n'a jamais voulu être chef, surtout pas de cette manière. Travailler la pierre et découvrir ses secrets lui apportait beaucoup de bonheur. Qui reste dans le village? Une poignée d'entre nous. Mon mari fait ce qu'il peut pour réparer les murs de nos maisons, mais son esprit est ailleurs. La mort de notre fille bien-aimée pèse lourdement sur lui. Il essaye, en fait, il essaye de réparer le mur. Je suis pas non plus un mec du bâtiment, mais je crois pas qu'on répare les murs avec un marteau, hein. Enfin avec un maillet. Hein. Je crois qu'il est en train d'essayer de détruire en fait, justement. Elle est morte dans la bataille? Mon mari est sûr qu'elle a été écrasée sous les rocs qui ont détruit les murs de notre village. C'est vrai que le dialogue est très long. Il semble ne pas croire à ce que tu dis. Je n'y peux rien. Je pense qu'elle vit encore. Donc en fait les dialogues en plus on a l'impression qu'ils ne servent un peu à rien parce que on passe un peu du coq à l'âne à chaque fois dans le jeu. Et franchement ouais c'est bizarre. Oh la ferme, la ferme, la ferme.
Ok, très bien, on a vu tout le monde. On se casse d'ici. Et lui. Un esprit tourmenté. Il y en a plus, voilà. Quel grand totem. Le chemin est bloqué. Peut-être une autre fois. Esprit, que dis-tu? Garde totem demande honneur pour rester fidèle. Ok. Quel nom avais-tu pris dans ce monde, héros déchu? Chasse la mer, bon. Honté des mers. Un pêcheur? Oui. Et guerrier et mari. Totem. Pourquoi te tiens-tu là, mort? Que représente ce totem pour toi? Debout ou je tombe. Temple du vent protégé. Même dans la mort. Je ne veux pas de mal au temple. Je suis Olmec, guerrier sacré. Mensonge et déception. Comme le méchant, personne ne passe. Tous cherchent à détruire. Tu te trompes, guerrier errant. Je dis vrai. Quetzalcoatl est mon ennemi aussi. Pousse-toi que je visite le temple. Ouvre mot, vrai, acte de foi, passe un test avant d'ouvrir passage. J'accepte ton défi, ombre. Qu'est-ce que le test de foi? Cadeau jamais donné, femme. Trouver une femme. Cadeau. Un cadeau à ta femme? Quel genre de cadeau? Brille, cercle, couf, ok. Un collier. Spécial, c'est fait pour elle, artisan, la garder, prouve mot vrai. Ouf. Qui est ta femme? Elle. Qui avait mon cœur. Je veux dire son nom. Comment elle s'appelle? Révèle. Pas blesser elle, tu vas. Pas. Quel était ton rang de guerrier, esprit? Jeune. J'étais. Mais plus vieux. Que Mitok. On y est arrivé. Donc au début du jeu, il y avait déjà un mec qui avait un problème avec les murs. Enfin, peut-être des symboliques. Normal que si le totem ressemble à un soldat de Noël. Un soldat de Noël? Des cœurs qui ne saignent pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Regardez, il est en train de se tripoter derrière son bouclier là. On va lui parler. Tiens. Il y a une tête de cheval et d'un canard. Ils savent. Cet esprit recherche la justice. Esprit, que dis-tu? Village condamné, mon déshonneur. Quel nom portais-tu dans ce monde, héros déchu? Ometok. Ometok. Encore? Ils s'appellent tous Ometok ou quoi? Comment as-tu gagné ce titre, ombre? Combattu comme jaguar sauvage dans bataille. Quel était ton rang de guerrier, esprit? 109. Tribu jeune, pas le plus jeune. Plus âge que Xylonem, machin. Sans peur. N'aie pas peur, jeune guerrier, ce village ne sera pas condamné tant que je serai en vie. Ce que je croyais. Notre clan rapide au combat, notre on a couru clan. Vite à la mort. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui c'est ça? Celui-là semble être mort très jeune. Esprit, que dis-tu? Appelais-tu dans ce monde, héros déchu? Pareil, non? Ah non. Jeune guerrier du clan sans expérience. C'était ta première bataille? Et dernière, jamais plus combattre.
Quel était ton rang de guerrier, esprit ? Plusieurs de tes clans. Féroce, combattu, mais pas utile, mort comme les autres. Ok, d'accord, bah voilà son... L'honneur vient du courage, jeune esprit. Ton courage si jeune est honorable. Tiens ta tête droite. Déshonneur, mourir, première bataille, maudit pour l'éternité. Beaucoup ont été sacrifiés à cet endroit. Certains pour le bien, d'autres pour le mal. Oh et toc, c'était nul, désolé, j'ai rien compris. Ah d'accord. J'ai pas compris. Ah, il avait dit qu'il était plus vieux que Omeltok. Ah, je comprends plus rien. Un lac de lame brûlante. Est-ce que je peux récupérer? Ce serait de la folie. Oh non, hein. C'est ce que je fais dans le jeu. A été tué par le dieu du mal. Esprit, que dis-tu ? 12 pas vaincre 1. Quel nom portais-tu dans ce monde, héros déchu ? Plus ancien chef de guerre, frère aîné de 8 îlots. Tu étais le chef de guerre ? Oui, victorieux dans de nombreuses batailles. Quel était ton rang de guerrier ? Chef de guerre plus âgé, chef du clan. Comment peux-tu t'accuser de défaillance alors que tu es mort avec honneur sur le champ de bataille ? Honneur, non, défaite village non. Par un seul homme. Au revoir. Au revoir. Beaucoup ont été sacrifiés à cet endroit. Des innocents écrasés dans la paume du dieu du mal. C'est gore quand même, hein. Voilà. Ah, Quetzalcoatl a profané les corps de ses honorables guerriers. Ah, idiot! Tu ne peux pas me toucher. La mort m'a donné tant de pouvoir. Les âmes des crânes rasés, autonomie, alimentent ma magie. Oh, dis donc. Il est trop puissant. Je dois trouver un moyen de le détruire. Je peux peut-être trouver un talisman magique par ici. Grosse tête. Grosse tête. Grosse tête. Je viens de terminer Killzone Shadowfall. Ah, et il est bien alors ou pas ce jeu? Erkte. Grosse tête. Grosse tête. Bon, j'en sais rien ce qu'il faut faire, c'est... franchement, non mais... Ils ont pris une espèce de quantité de LSD astronomique quand ils ont fait le jeu, quand même. Ah mais je l'ai quitté, non ? Eh ben voilà. Je... c'est... voilà. Alors. Le village perdu. Voilà, guerrier fantôme, il y en a 6 au total, je crois qu'on a dû en faire au moins 6, c'est bon. Dans le village, examiner les lieux, vous ramasser un bol en cuivre, ce qu'on a fait, discuter avec les femmes, le sorcier, le chef du village, c'est ce qu'on a fait. Lorsque vous discuterez avec le chef du village, demandez-lui de rendre le collier à la femme du pêcheur. Vous avez parlé de tout avec le guerrier, tout. Donc, d'autre part, il vous demandera de trouver sa fille, retourner vers le guerrier Tepiktok et oh là là là. En plus faut se souvenir de leur nom quoi, leur prénom. Déjà rien que moi déjà de base j'ai du mal à retenir les prénoms, alors en plus dans les jeux vidéo comme ça où c'est du what the fuck à chaque chapitre je suis perdu hein. Quelle animation. J'aimerais te dire un mot.
Maçon ou tailleur de pierre, faut savoir, hein, c'est pas la même chose. Hein. Guerrier et mari de Kalkihut. Le pêcheur, son esprit est encore ici? Oui. Oui. Tu as le collier qui appartient à sa femme. Rends-le lui ou je te brise les membres comme des brindilles. Très bien. Dis à l'esprit que je vais lui porter son cadeau. Oh non, au boulot. Tapez le mur. Alors c'était qui le pêcheur? Oh là là. Toi là là, l'espèce de... Là. J'ai parlé au maçon, homme mort. Il va livrer le collier, comme promis. Honorable. Olmec, vrai, dans ton souffle, je suis Olmec. Reconnaissant. Tant peut t'attendre, vent. Très bien. Voilà, le passage est ouvert. Oula, ça bouge tout seul là, je peux. Moi je suis pas un grand fan de FPS, j'ai bien aimé le faire. Un peu chaud sur la fin, par manque d'habitude, scénario assez sympa, même si un peu prévisible. Avec un bon gameplay, d'accord. Les rochers ne peuvent rivaliser avec le puissant Olmec. Vas-y, fais. Voilà. Mais il rentre pas dans la porte, il est trop haut. Tu dois être la fille du maçon. Et il nous l'a pas demandé, hein, de la retrouver sa fille. Hein. Je te ramène à la maison. Est-ce qu'on doit comprendre avec ce cri là? Coatlic, ma fille, tu es revenu de la mort. Idiot, elle était coincée dans le temple. Si tu n'étais pas si têtu et si apitoyé sur ton sort, tu t'en serais rendu compte. Oh, ma fille chérie, je suis désolé. Va voir ta mère, tu lui manques terriblement. Maman. Peut-être qu'il faut reparler à lui. Attention, animation. Oh, hop là. Non, au revoir. Animation. Paf, paf, paf. Elle est où ta fille? Elle est déjà perdue? Fille. Femme, j'ai retrouvé ta fille. Oh, merci, Olmec. Tu as ramené l'espoir dans mon cœur et celui de mon mari. Tant que nous garderons espoir, le futur sera aussi brillant que le soleil. C'est tout? Ah, que tu es délicate. Oh, ça fait un peu pédophile quand même, hein. Petite, pourquoi étais-tu au temple? La pierre brillante, elle est jolie. Et j'aime la musique aussi. La pierre brillante? Oui, c'est un grand cristal, comme ce que Père transforme en bijoux. Il a fait un masque effrayant avant, et un collier et beaucoup de bagues. De quelle musique tu parles, petite fille? Les gongs. Parfois, je peux en trouver qui font le même son. C'est drôle. Il a changé de doubleur d'une cinématique à l'autre? Ah, j'ai pas remarqué. La vieille fait les mêmes bruits que Chewbacca. Oui, c'est vrai. Cristal, je peux voir quelque chose dedans. Un grand cristal. Oui. Ces gongs produisent de la musique. Il y a un truc bizarre là.
sent la future histoire lubrique entre un mec et la petite fille. Une fois dans le temple, ses parents retrouvés dans la village, discuter avec elle, vous parlera d'un cristal et de gong. Frapper sur les gongs pour casser le cristal et récupérer le totem du vent. C'est ce que je suis en train de faire, mais ça fait rien. S'il y a un sens, comment tu veux deviner? Oh là là, non mais ça c'est chiant, oh là. Ça m'énerve, mais c'est simple, YouTube, hop là, YouTube. Et oui, c'est pas fair play, hein, mais il faut absolument que je finisse le jeu ce soir, j'ai pas envie d'y passer des heures. À chercher comme un abruti. Parce que j'ai encore plein de choses à faire. Sanitarium. Oh merde, chapter. Le village. Pourquoi je suis tombé sur des vidéos de Until Dawn, quoi? Alors. Et puis en plus, le chapitre a l'air de durer hyper long. De durer hyper long. De durer hyper longtemps. Ok, il a pas... Ah si, ça y est. Alors attendez, il fait quoi? Il rentre. Alors s'il y a un Saniratum dans Until Dawn... Ah oui, c'est vrai! Au centre, à gauche, en haut. Alors, du coup, c'est ça, attendez. Du coup, ça serait genre... Ah. Et voilà. Totem du vent. Ah, le totem du vent. Peut-être, je ne sais pas. S'il le dit. Pardon, je suis désolé, j'ai coupé. Ah, donc c'est... ah ouais, parce que... Oh là là. Ah oui, donc là, en fait, on... après, il faut qu'on trouve le temple de l'eau. Après, le temple du jaguar. Après, on a un labyrinthe à faire. Dans le même chapitre. Hein. Et après, il en reste un. Ah oui. On va se dépêcher. Alors, arrêtez-vous à mi-chemin, vous apercevez une grande statue élevée, vous... Bon, on y va. Alors, si jamais tu te prends la PS4 un jour, tu comptes faire Until Dawn, un slasher de jeux vidéo, ça devrait intéresser. Oui, bah, j'ai... En fait, le problème, c'est que j'ai vu un let's play. Donc, j'ai vu le let's play de Hooper sur ce jeu, parce que je ne comptais pas l'acheter. Si un jour j'aurais une PS4, je comptais pas l'acheter. Mais en tout cas, c'est un... Je trouve que c'est un bon survival horror en jeu. Ah, je suis coincé. Ah mais il n'y a plus les yeux. Ah si, ça y est. Alors là... Une grande statue.
La magie violente de la Terre l'a rendu instable. Voilà, maintenant on peut passer. C'est bon, capte-toi. C'est évidemment le temple de l'eau. C'est évidemment le... Alors, tu peux peut-être mettre ça. Totem. Ce genre d'action, ce serait de la feu. Peut-être une autre fois. Quoi? Peut-être une autre... Je peux pas... Ce genre... Peut-être une autre... Non, sûrement... Non. Ça va me passer, profiter pour en discuter avec le côté de... Pendant la passerelle, vous pourrez accéder au temple de l'eau, examiner les pierres qui sont sur le mur de gauche. Puis sa femme. Oh putain, mais c'est... Non, range-moi ça. Une pierre sculptée. Elle semble venir d'un ensemble plus important. Je ne peux pas aller par là. Oh, mais... Abruti, va. Là. Les images gravées dans la pierre. Elles doivent détenir les clés du temple de l'eau. Ah. Poisson, poisson. Harpon. Jamiroquai. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelque... un truc logique? Non, non. Que recherche ce noble guerrier? Esprit, que dis-tu? Amer condamné à errer. Comment t'appelais-tu dans ce monde? Féroce guerrier, clan crâne rasé, autonomie. Les crânes rasés, autonomie? Oui. Vie sauvage destructeur. Guerrier? Quel était ton rang de... Ma jeunesse? On y arrive. Plus ancien que tes TikTok. Plus ancien que tes TikTok. Plus jeune que 8 TikTok. Plus jeune que 8. Très bien, on s'en fout, au revoir. Retournez discuter. Attendez, mais... On a discuté avec le guerrier des TikTok puis sa femme. T'es qui déjà tes TikTok, putain? Et toi? Cette eau est impure. Mais non. T'es qui toi? Bon, c'est pas lui. TikTok. Non, c'est pas TikTok, bon. Oui, j'ai vu le let's play de Hooper, oui. J'ai vu le let's play de Hooper. Alors, du coup... Sur YouTube. Alors, machin. Voilà, alors l'énigme. Voyons voir l'énigme. Les gens qui baisent là, non? Ouais. Non, c'est dehors, pardon. Ah, c'était ça? Et alors... Soleil... Mais qu'est-ce qu'il... Soleil, harpon... Vague... Poisson... Jamiroquai... Ah non...
Le truc est Jamiroquai. Alors, normalement mon cerveau va s'en souvenir. Je fais confiance à mon cerveau, à moitié. Ah oui, c'est le genre, oui. C'est le genre de... Les images gravées dans la pierre. L'énigme assez récurrente, en plus. Surtout à l'époque. Alors, soleil, harpon, hein, poisson, sta, Jamiroquai. Voilà. Et... Voilà. Un poisson rubis. Sa couleur doit indiquer quelque chose d'important. Ah. Totem de l'eau. Le totem de l'eau. Il me faut de l'eau. De l'eau. Bon, ok, c'est bon. On a le totem de l'eau. Youpi! Alors, vite, maintenant. Le temple jaguar. Si vous avez discuté avec le sorcier du village, le sorcier, mais pas de sorcier, qu'est-ce qu'il raconte? D'ailleurs, le temple du jaguar. Il vous avait demandé de récupérer la cosse sacrée de puissance. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrêtez de prendre de la drogue, c'est incroyable. Lorsque gentiment son eau, allez dans l'entrée, arrêtez-vous sur la pierre blanche au sol pour ouvrir la porte, examiner les lieux. Vous ramasserez un poisson rubis, un totem de l'eau. Oui. Attendez, bon. Le temple jaguar, c'était quoi ça? C'était ça là? Oh là! C'est vrai. C'était de l'eau à la fraise ou de l'eau au citron. Ah, c'était lui le sorcier, non? Moi, je sais pas. La tête du jaguar, elle parle. Mon dieu! Le plus sacré des guerriers, tu dois trouver du sang qui coule d'un cœur saint et un cœur qui ne saigne pas. Place-les en offrande dans les bols devant toi et tu pourras entrer dans le temple du jaguar. Retourner au village? Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'on est dans le village déjà? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il parle? Attends, mais ça c'est pas un village où on est? C'est quoi qu'il me raconte? Je comprends pas. Ils disent allez au temple de Jaguar, il vous avait demandé de récupérer la cosse sacrée de puissance. Alors pas du tout, non, je ne suis pas au courant. Retournez au village et demandez au chef. Mais incroyable! Retournez au village. Donc pour eux, quand. Une maison est un village. Non, c'est bon. Ils n'ont pas de voisins, ce sont des villageois voisins. Bon, faut parler à l'attardé qui frappe son mur. Oh, bonjour. Et non, trop pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Clairement, ce jeu est en train de m'énerver. Il est en train de m'énerver, c'est incroyable. Veuve, tu dis que ton mari connaissait bien le temple de l'eau. J'ai vu d'étranges sculptures sur les murs que je ne comprends. Mais c'est bon. Pardon. On connaît maintenant le... Les bijoux te vont bien, Veuve. Oh. Merci, Olmec. Tu as apporté beaucoup de joie à mon cœur chagrin. Chaque fois que je verrai leur reflet dans les eaux, je penserai à mon mari et à toi pour m'avoir accordé cette paix intérieure. Très bien, c'est inintéressant. Ok, rien à foutre. On sait pas ce qui se passe quand même dans ce jeu, hein. C'est assez incroyable. Bon, je suppose que... Alors, pour eux, peut-être que le village, c'était... Non, mais franchement, mais... Là. Descends, mais tu veux pas descendre? On peut pas. Putain, oulala, j'ai pété un câble.
retourner au village et demander au chef de vous faire passer les épreuves du rituel. Mais quel village? Quel village? Quel chef de merde là? Mais c'est incroyable! C'est ouf, c'est en train de me faire péter un câble. Alors attendez, mais... Mason, I would have a word with you. Mais suce mon cul, non mais alors là franchement que le jeu suce mon cul. C'est n'importe quoi, le genre lui il va aller le voir, mais... Putain j'ai encore dû louper un truc. Putain, mais... Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que... Oh putain, y'a un pilote retardé, là, qu'on entend, là. Si vous avez discuté avec le sorcier du village... Alors déjà, il nous parle d'un sorcier... derrière le temple du jaguar. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas aller derrière le temple. Retourner au village et demander au chef de lui faire passer des épreuves du rituel. Mais c'est un truc de ouf. Mais non, c'est YouTube que je... J'essaie de me détendre, parce que là, je suis vraiment en train de m'énerver, là. Bon, il a récupéré ça. Ouais, il a récupéré le totem de vent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? De vent, de flotte. Ou montre. Alors, il part par là. Qu'est-ce que... Il sait pas jouer lui aussi. Voilà, regardez. Par là, lui, là. Et genre, voilà, il peut... Non mais voilà, quoi, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus ou de moins, là? Franchement, j'en sais rien. Ou alors faut peut-être parler encore à... Putain, j'espère qu'elle va crever la vieille. Beaucoup ont été sec. Faut parler à lui, c'est ça, non? C'est le dieu du mal en personne. Quetzalcoatl, pourquoi es-tu revenu? Zoré. Olmec, j'aurais dû me douter que tu reviendrais. Tu suis les ordres de ton dieu comme le chien que tu es. Retourne vers tes serviteurs et attends la mort comme eux. Tu n'as aucun pouvoir contre moi ici. Tu oses me parler sur ce ton? J'ai assez de pouvoir pour m'occuper de gens comme toi. Ah, menace creuse d'un guerrier lâche. Pourquoi veux-tu détruire ceux qui t'ont adoré? Tu étais leur plus grand roi. Bah, ils sont loyaux qu'à eux-mêmes. Juste après ma mort, ils ont cessé leurs offrandes. Et maintenant, ils vont payer de leur vie. Pourquoi as-tu quitté ton trône céleste? Pour un dieu, retourner sur Terre est une disgrâce. Je suis plus qu'un dieu. Je suis un guerrier. Ce trône oisif est une chaise vide qui menace de dévorer mon âme éternelle. Je vais conquérir ce monde, village après village, jusqu'à leur destruction totale. Et après, lorsqu'il n'y aura plus rien à conquérir, que feras-tu? Je grandis du pouvoir des âmes que je consume. Lorsqu'il n'y aura plus d'âme dans ce monde, je serai le plus puissant des dieux. J'irai à la conquête des cieux. Un peu dérangé. Oh là là. Chut, taisez-vous. Pénible à entendre.
Allez, va te faire sodomiser, va putain d'enculé. On va s'arrêter là, hein. Et on ne finira jamais Sanitarium parce qu'on sait pas. Qui est ton mari? Mais c'est incroyable, c'est... Turn from death. Daughter. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bord... Ah, non, mais... Oh! Je vais péter un câble. Oui, oui, péter un câble. On parle au jaguar. On parle au jaguar. Oh, on est bloqué de partout, c'est chiant. Non, mais je veux pas. Pourquoi? Il a tourné tout seul, hein? Je suis dépité par ce jeu. De s'en dépiter, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais clairement, j'en ai une overdose parce que. Déjà, auditivement, j'en ai marre de voir des espèces de gogoles là qui parlent. Et les énigmes à la con et le what the fuck complet de ce jeu tout le long, franchement c'est chiant. Le plus sacré des guerriers. Oui. Ah. Je vais fermer sa gueule, le plus sacré des guerriers, tiens. Tu dois trouver du sang qui coule d'un cœur sain et un cœur qui ne saigne pas. Place-les en offrande dans les bols devant toi et tu pourras entrer dans le temple du jaguar. Alors ne me dis pas que c'est ça. Que faire de plus? Laissez passer Olmec. Un poids. Ça défie l'entendement. Rien ne se prend. Qu'est-ce que c'est ça là? Mais putain de merde! Putain, c'est un truc de ouf! Ça va m'énerver! C'est bon, je regarde une solution, on fait le jeu que sur YouTube maintenant. Putain, c'est incroyable de. Pff, pas critiquer. Allez. Donne-moi la solution là. Qu'est-ce qu'il fait? Prends pas. Et what the fuck quoi? C'est quoi cette connerie? Mais d'où il l'a trouvé lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais. Non mais. Même vous, vous l'avez pas vu. Mais regardez. Mais comment qu'on peut. On voit rien de là, hein, mais il y a quelque chose, je vous jure qu'il y a quelque chose, hein, c'est pas une connerie, vous allez voir, il y a quelque chose. On pète un câble ce jeu, c'est incroyable. Et voilà, il y a quelque chose, mais et ça leur a écorché la gueule, franchement, d'avoir fait, genre, je sais pas, cette vision-là pour voir un peu mieux. Non, mais... Pfff, du coup, ça m'énerve. Ce vieillard se prépare-t-il au combat? Oui, c'est ça, oui, en train de prier, mais il y a très peu de chance. Hein. Vieillard, que dis-tu? Je dis que la fin est proche. Quetzalcoatl va tous nous détruire. De crainte que je trouve quelqu'un qui puisse m'apporter. Oh, chut, j'en ai marre. Comment te nommes-tu, toi, l'ancien? Oh, sorry. Mon nom est Tessactal. Je suis le dernier espoir du village. C'est mon devoir de sorcier du village de détruire le mal qui nous menace. De quelle cosse parles-tu? La cosse sacrée de puissance. Elle contient les graines dont j'ai besoin pour finir ma formule magique. Mais il n'y a pas moyen de l'atteindre. Et pourquoi? Elle se trouve sur l'arbre d'union, qui est entouré de feu liquide.
Même ta constitution de pierre ne résisterait pas à sa chaleur. Comment l'arbre peut survivre entouré de feu? Il est magique, comme l'est la cosse qui pousse sur son tronc puissant. Toutefois, sa magie s'amenuise et ses membres vont bientôt se flétrir et brûler. Il doit y avoir un moyen d'y arriver. Peut-être. L'ancien rite des guerriers peut être la solution. Le rite des guerriers? Qu'est-ce que cette vieille magie peut accomplir? Une vieille magie? Tu as raison. Mais bien qu'elle ne soit plus pratiquée depuis des générations, on dit qu'elle protège le guerrier des éléments. Alors je veux l'essayer. Exécute-la. Excuse-moi, homme sacré. Je ne peux pas. Je ne me rappelle pas toute la cérémonie. Mais le maçon sait tout. C'est le chef du village maintenant. Et il se trouve dans les huttes. Pourquoi restes-tu ici, oisif, au village, plutôt que de te battre? Quel couard es-tu? Dur mot, votre sainteté. Mais je ne suis pas assis ici, insouciant. Je médite pour trouver le pouvoir nécessaire pour combattre sa terrible magie. Pignouf. Comment? Mais non, je n'ai rien à foutre de l'arbre. Oh là là, il bon. Doit y avoir un... Comment crois-tu battre un dieu, petit homme? Petit homme, dis-moi ton nom, petit homme. Il est très fort. Je ne peux espérer le battre. Toutefois, si je le fâche avec ma formule, il déploiera une énergie précieuse contre moi. Cela devrait l'affaiblir assez pour que vous le battiez. Tu veux te sacrifier pour le village? Bonne idée. Cela doit être fait. Quelle formule prépares-tu? Ça s'appelle l'esprit du feu. Ça crée une vague d'énergie mystique formée par les âmes des morts. Je vois que les temples sont presque entièrement détruits par la magie noire de Quetzalcoatl. Oui. Les totems sont en danger. De quel totem parles-tu? Les statues abritées dans les temples. Ces statues représentent la pureté des dieux eux-mêmes. Je crois que Quetzalcoatl en a peur. Sinon, pourquoi voudrait-il les détruire? Ta veuve te pleure, sorcier. Elle connaît mes plans. Et craint le futur sans moi. Elle a vu nos deux fils mourir en guerrier des mains de Quetzalcoatl. Et bientôt, elle devra m'enterrer. Maintenant, on va revoir le chef du village. C'est ça? De lui parler à elle, sorcier. Ton mari est un brave homme, vieille femme. Il affronte Quetzalcoatl pour aider le village. Il sait qu'il ne survivra pas au combat. Et qu'est-ce que je deviens? J'ai besoin de sa protection plus que tout le reste du village. Il devrait être là. Garde tes paroles égoïstes, Mégère. Il fait ce qu'il doit faire. Il affronte la mort comme un brave guerrier doit le faire. Tu es aussi fou que lui. Ça, c'est bien vrai, ça. Cet Ce guerrier... J'ai trouvé ta fille, maçon. Il est temps pour moi de subir le rite du guerrier. Tu es vraiment honorable, Olmec. Que ton cœur me pardonne. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Pas de prosternation, chef. Allons-y. Oui, bien sûr.
Il y a deux étapes au rituel. La première est un acte de bravoure et d'héroïsme. Tu l'as déjà prouvé en me ramenant ma fille. Ensuite, il faut que tu récites le nom des guerriers qui t'ont précédé dans la lignée. Je voudrais subir la seconde épreuve du rituel. Est-ce que tu connais le nom des 6 guerriers qui t'ont précédé ? Oui, je suis prêt. Alors commençons, Olmec. Nomme les 6 guerriers en commençant par le plus jeune et en terminant par le plus âgé. Oh, pas des énigmes. On se souvient pas et en plus on va y reparler à tout le monde. Oh, non. On va regarder. Alors. Mais c'est quoi cette soluce de merde ? Censé être une solution, hein. Et en fait, ils te disent. Voilà ce que me dit la solution. Pour la seconde épreuve, vous devez absolument avoir discuté avec les 6 guerriers fantômes. On a fait. Vous devez donner les noms des 6 guerriers fantômes. D'accord ? C'est ce qu'il vient de nous dire. Donc, et après, aller vers l'arbre où se trouve dans la lave. Et voilà. Ils nous disent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans quel ordre ? C'est n'importe quoi, c'est pas une soluce, ça. Hein. Moi, je veux retrouver la Bible d'Eschyte. Fait que ça devrait. On va voir ce que YouTube dit. Hein. Finalement, en fait, YouTube, c'est bien mieux que les sites internet. Hein. Merde. I'm sorry. Ah merde, ah mais parce que lui il a pas parlé à tout le monde, c'est ça. Ah parce que lui voilà, il a pas parlé à tout le monde. Salut Nico Stitch, ça va ? I'd like to undergo the second stage of the ritual. Do you know all 6 names of the warriors? Name the 6 warriors starting with the youngest and ending with the eldest. Ça y est. Il va dire quoi ? Zilomenen. Zilonen. Ometok. Ometok. Tepitok. Non. Etoktok, machin. Xilonen. Ometok. Tepiktok. Santiotl. Anteotol. Senteotol, Huitzilop, Mixcoatol. Tu es plus sage, grand Olmec. Tu es maintenant prêt pour la magie ancienne de la Terre. On va le finir ce soir. Putain, il est 19h15. Il faut vite qu'il se termine, celui-là. Pour te protéger des... Merde, oula, non. Puissants éléments, je dois allier ta chair de pierre à mon sang et à la magie de la Terre. Cela créera une barrière magique temporaire entre toi oui. et les forces de la nature. Oui. Combien de temps ça va durer ? Pas longtemps. Tu dois être rapide dans ta quête. Oui, le doublage anglais a l'air d'être bon, ouais. Ce que j'entends aussi. Sang du sacré, chair du guerrier, marié au cœur de la terre en une union de protection et de pouvoir. Apporte les magies sacrées du fond de la terre. Pour protéger ce noble guerrier des durs éléments. C'est fait. Va et accomplis ta destinée, Olmec. Le destin de notre village repose entre tes mains. Olmec. Ah, ça y est. Du coup, maintenant, nous allons marcher dans le feu. Enfin, je pense, ça doit être ça. Merde, j'ai quitté la. Ah. Un truc sur nous, alors c'est quoi ? Ça doit être la cause de puissance. Ah, la cause de puissance ! C'est pour la voiture, c'est comme pour les batteries, vous savez, l'Écosse. Allez, tiens, là. J'ai la cause de puissance, vieillard. Voilà. Accomplis ta magie. Très bien. Merci, homme sacré. Je vais commencer tout de suite.
Je vais accomplir ma destinée. Que mon sacrifice sauve le village. Qu'est-ce que... Oh là. C'était nul. Il veut lui parler? Il veut lui parler alors qu'il est mort? Malgré ton honorable sacrifice, le village reste en danger, vieillard. Quetzalcoatl a d'immenses pouvoirs magiques. Masque? De quel masque parles-tu? Masque mort. Son pouvoir vient de là. Où se trouve-t-il? Sous la muraille. Il a claqué. Alors, sous le labyrinthe. Alors attendez. Récupérer la cosse. Parler encore avec lui, vous dire de retrouver le masque et se trouver dans un labyrinthe. Ramasser un peu de son sang avec le bol en cuir. Retourner dans sa maison et ramasser le cœur de cristal. Ok, d'accord. La musique, genre Crash Bandicoot quand on le meurt, mec. Alors, voilà. Un cœur de cristal. Oh. Hop. On va récupérer du sang. Un poisson ou un bo... Il y a sûrement un autre moyen. Et non, il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen, allez. Un bol de sacrifice rempli de sang du sorcier. Allez, on y va. C'est cool. Les offrandes sont acceptées. Le temple du Jaguar ouvre ses portes à Olmec, le guerrier sacré. Totem du Jaguar. Des roues de pierre qui tournent dans un but mystérieux. Des fresques d'anciens héros. Quoi? Pas de portrait du valeureux Olmec? Ah! C'est pas possible. Oh mais putain, qu'est-ce qu'il est handicapé celui-là? Oh, vous êtes pas sérieux avec vos Aïe. Mettez les symboles dans le bon ordre et récupérez le totem. Mais dans quel ordre? Putain, mais ça serait bien. Putain, c'est une solution, bordel de merde. Vous savez pas c'est quoi la définition d'une solution? Les maçons.
Ah, attendez. Ah. Regardez. Poisson. Oh là là, il peut pas la fermer l'autre là. Oh là. Ça. Pourquoi c'est pas bien tourné? Bon, c'est pas grave. Le masque. Collier, enfin Infinity, Lune, et puis tête de. Et Chicago Bulls. Tunisie, et Chicago Bulls. C'est bon là? Il y a sûrement un autre moyen. Bon, allez, me suce mon cul. Fais l'ordre des dessins sur les marges du temps. C'est ce que j'ai fait. Le roi du jeu peut pas fermer sa gueule, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est incroyable. Bon, je viens de faire ce qu'il y a de marqué, mais ça ne marche pas. Alors peut-être dans l'autre sens. Mais putain. Je vérifie. Alors peut-être ça. Pas rien à voir. Hein. Cet endroit-là, au moins. Parce que c'est dans le sens de la montée des marches. Peut-être, on va essayer. Donc, du coup, Chicago Bulls. Tunisie. Infinity. Pourquoi qu'il a bougé, lui? Infinity, masque, étoile, poisson, mais ta ferme là putain. Oh là là, mais on dirait une espèce de CAT qui parle là. Ah, c'était ça. La puissance du jaguar se révèle. Ouais. Oula. C'est Stargate. Oh. Oh, l'explosion. Ça a explosé quoi? J'ai pas compris. Ça a explosé une statue, mais laquelle? C'était les symboles dans mon ordre, récupérer le totem de Jaguar. Discuter avec tout le monde? Ah non, j'ai pas que ça à foutre, hein. Ils sont pas sérieux. Retourner au village et discuter avec tout le monde. Allez là où était la statue de Quetzaltolk et apercevez une plaque de pierre avec trois socles, mettez les trois totems. Ok, d'accord. C'était où ça? Non, mais moi je vais pas discuter avec tout le monde. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Totem. Non. Voilà. Oh bah il s'est pété la gueule. Oh, Indiana Jones. Ou alors c'est Jurassic Park, comment il s'appelle? Alan. Thank you.
comment il se déplace? Comment il marche? C'est trop bizarre. Ensemble, enfant de salaud! Cohésion moléculaire affirmative. Oui! Cycle de test enregistré sur DVD. Séquence encryptage initialisée. Séquence encryptage terminée. Ah oui, donc, c'est on a quand même eu notre accident. D'accord. Labyrinthe, putain, on n'a pas fini. Ah oui, oula, bah je vais pas passer 40 ans, hein, il est déjà 19h30. Il fait 1h52. Oh je coupe le stream. Oh je coupe le stream et je reprends tout de suite pour faire la pause YouTube. Là, ça fait déjà 1h52, j'aurais dû arrêter un peu avant quand même. Donc des bisous à ceux qui s'en vont, à tout de suite à ceux qui restent, voilà, des bisous, hein. L'impatience brûle ma poitrine de pierre. Intéressant.